Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de construire entre guillemets un palonnier pour que Heidi tracte le pneu. J'ai trouvé un pneu qui traînait dans le champ, du coup c'est super. J'ai trouvé un bout de bois qui devrait fonctionner en tant que palonnier. J'ai pas envie non plus de bricoler un truc trop complexe, puisque la dernière fois que j'ai construit un palonnier, il s'est cassé. Donc quoi, je me dis, bon, la merde en fait, parce que j'ai passé des heures dessus et il s'est cassé. Donc là, je vais tout simplement essayer d'accrocher une corde au palonnier, enfin deux cordes au palonnier. Ça permet au cheval de tracter comme le palonnier en fait qu'il y a sur une calèche. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, je vous montre ça et puis après on va essayer de bricoler. T'as fini de manger mon nono? T'as un bout ça? Oui, c'est vite. On va aller dans le jardin un peu? Oui? J'aime bien les mettre de temps en temps dans le jardin qui broutent l'herbe, déjà ça m'empêche de débroussailler et puis ça leur fait plaisir. Ah, ils ont du foin là et du foin de l'autre côté, hein, c'est ce qu'il faut mais... Voilà, l'hiver c'est pas fun, donc quand ils peuvent avoir un peu de joie et d'aller en jardin, c'est cool. Vas-y, vas-y, allez, voilà. Taina, laisse les chevaux tranquilles. Voilà. Je vais laisser ouvert puisqu'ils ont accès à l'eau. Hop. Regardez la folle. Hop. Alors, je vais vous montrer tout simplement parce que c'est un palonnier du coup. C'est un bon bichon. Bon, la calèche, il faut que je la recouvre, enfin que je la nettoie et que je la couvre avec, avec une bâche. Donc un palonnier, c'est ici. C'est cette barre en fait qui bouge, qui est accrochée à la bricole par les traits et qui permet un mouvement en fait des épaules du cheval pour qu'il puisse tracter. Et le bout de bois que j'ai trouvé, voilà, faut juste que je mette, que j'accroche les cordes là et là pour que je puisse accrocher à la bricole et que la puce puisse tracter comme ça se fait sur une calèche. Donc voilà. Bon, on va aller faire ça pour qu'ils sont en train de brouter et vivre leur meilleure vie. Je vais juste rentrer les seaux. Hop, j'ai. Y'a pas rien, non, elle a tout mangé. Attention. Voilà. Non, mais toi aussi, t'as eu, c'est bon. Qui est folle? Elle est folle! Bon voilà, j'ai fait la petite préparation. On va voir si c'est bien. J'ai déjà rentré la fille, elle est au box. Elle est mouillée, elle est trempée. J'aimerais bien lui trouver une petite impaire. Donc je pense qu'après on va faire ses mesures. Mais bon, je vais la prendre du box, je vais la mettre au poste d'attache. Et puis, on va lui mettre son harnais pour faire la traction. I know it's breaking through, I know it's breaking through.
Yeah. Avec le pneu. C'est dommage quand même. Tu peux rentrer ma fille. Rentre. Voilà. C'est bien. Voilà. Amito. Oui. Bon, hey, ça va mieux la caméra. Tout à l'heure, il y avait un film humide. Je pense qu'elle a pris un peu l'humidité, donc je la sors pas là. C'est pour ça que vous avez été que en GoPro, j'avais personne pour me filmer malheureusement. Mais bon, la prochaine fois, j'y compterai. Voilà, je chercherai quelqu'un pour me filmer. Comme vous l'avez vu, ça s'est super bien passé. Au début, un peu de zigzag, mais moi j'essayais de prendre des photos, enfin un peu n'importe quoi, j'étais pas concentrée avec elle. Du coup, on a fait un petit tour, puis un demi-tour. Juste histoire d'eux, hein, elle avait déjà fait, il lui manque juste un peu de conditions physiques, donc on va tout simplement faire deux fois dans la semaine, je pense, deux, trois fois si j'ai le temps, c'est pas grand-chose, d'aller tracter le pneu dans les chemins. Là, on a dû faire 10 minutes, même pas. C'était suffisant, ça s'est super bien passé, elle a peur de rien, elle est en tête, c'est merveilleux, elle est née pour l'Atlas, je suis sûre. Du coup, là, je vais donner la deuxième ration de Nono, je l'ai rentrée au prix Heidi. Et là, je vais ranger un petit peu parce que moi, je prends les trucs et puis je les range pas. Donc, je vais ranger et puis après, on va voir ce qu'on fait avec les chevaux. Je sais pas encore si on fait un truc, mais bon, je vous tiens au courant. Viens. Tu vas te tremper. Non, viens là. C'est vraiment de la
merde. C'est... D'habitude, je me plains pas trop de la pluie, mais là, ça sert à rien. Du coup, bah, il dit ça a été. Je passe un petit coup de balai là dans l'écurie. J'ai rien à bricoler, donc en tout cas pas à l'écurie. Donc je vais aller travailler les montages des vidéos, comme ça bah, voilà, je prendrai de l'avance. Et bah, je n'ai rien à faire avec les chevaux à cause de ce temps pourri. Voilà. Bon, j'espère que demain ça ira mieux, j'essaierai de faire un truc avec les chevaux et je vous emmènerai avec moi. Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a quand même fait quelque chose, c'était super avec Heidi. Je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner en activant la petite cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !